seul à connaître ce terrible secret. C'est incroyable. Mais oui. C'est ainsi. Impensable. Thank you.
Georges. J'ai l'impression que les domestiques profitent de ton absence pour se distraire, non? Ils ne sont pas avertis de notre arrivée. Tu sais très bien, chérie, que je n'ai jamais eu le téléphone. Au moins ici, je ne suis pas dérangé. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. Et voilà. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Prenez cela, je vous prie. Madame? Le temps va changer, il va pleuvoir. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Demain, il fera beau. Vous n'entendiez pas la sonnette? Nous étions occupés dans le salon, monsieur le comte. Et Nicolas, comment va le professeur? Il est sorti très tôt ce matin, monsieur le comte. Il avait sans doute beaucoup de choses à faire. Mais ne vous inquiétez pas, il lui arrive parfois de dormir dans le pavillon. Nicolas, allez tout de suite dire qu'on prépare le dîner. Nous sommes fatigués. Mais avant tout, rangez la voiture de l'autre côté. Bien, monsieur. Je t'en prie. Dis-moi, tu en as encore pour longtemps? Hein? Ça ne te plaît pas? Oh, si. Beaucoup. Où as-tu trouvé tout ça? J'ai trouvé ça dans la salle de bain, dans une vieille malle. Mm-hmm. Alors? Très bien. Sans doute les dessous d'une maîtresse du grand air de Georges. Un amateur de fanfreluche, en tout cas. Comme toi. Ça t'a plu, mon numéro? Non, tu as l'air d'une vraie putain. Mais c'est comme ça que tu m'excites. Maman! Michael, que fais-tu là? Va m'attendre dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais? Marc, écoute, il va arriver quelque chose de terrible. Il faut prévenir tout de suite, Georges. Enfin, Jeannette. J'en suis sûre, voyons, je ne reste pas ici. Je veux m'en aller immédiatement. Calme-toi, je t'en prie, Jeannette. Marc, c'est vrai, c'est important. Maintenant, ça suffit. Tu veux que tout le monde se moque de toi? Mon amour, que vont dire les autres? Que tu as fait un mauvais rêve? Non?
Et puis de quoi as-tu peur, finalement? Tu es avec moi. Et ça fait une semaine qu'on attendait d'être ensemble. Alors, qu'en penses-tu? Hum, chérie? On a passé toute la matinée enfermée ici à s'ennuyer. Pourquoi venir à la campagne si c'est pour rester en prison dans cette espèce de mausolée? Fais patience, Michael, nous allons sortir. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Ici peu il fera nuit, vous êtes des dormeurs tous les deux, non? On aime ça, c'est bon de dormir. Et le professeur, on ne l'a pas encore vu. Oh, c'est un drôle de bonhomme. Tous les savants sont des originaux. Eddie, tu as une idée de ce qu'il veut nous annoncer? Très approximativement. Il est en train d'étudier les pratiques magiques des Étrusques. Quelque chose qui a trait à la résurrection des morts. Enfin, ça l'intéresse. Les morts m'ont toujours fait peur. Et mieux vous les laisser en paix. Cette nuit, j'ai fait un rêve terrifiant. Un cauchemar épouvantable. Ça se passait ici et... Jeannette, épargne-nous tes angoisses. Viens, la lumière dans le parc est vraiment merveilleuse. Ça va te plaire et nous allons faire des photos superbes. Allez, viens. Au revoir. Au revoir. C'est vrai. À cette heure-ci, la lumière est extraordinaire. Eh bien, les enfants, moi, je vais écrire en plein air, saisir le souffle de l'inspiration. Je viens aussi. Oui, toi, oui, oui. Viens. Viens, Evelyne. Je vais te montrer les pièces trouvées par le professeur. Le pavillon est...